Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je retrouve sur Total War Attila pour l'épisode 11 de la campagne avec les Huns d'Attila qui s'installent dans les colonies en difficulté légendaire. La dernière fois, on avait réussi à faire la conquête intégrale de la province de Gotiskanza. On a récupéré une belle province dans la mer du Nord. Ça pourrait nous donner des opportunités commerciales, qui sait à terme. Et on est en train de voir pour, après une petite ellipse, faire une guerre contre les Saxons, dans le but de récupérer la Frise dans un premier temps, et aussi d'essayer d'avoir une proximité avec la Belgique pour récupérer cette province. Il faudra juste voir qui possède la province et on verra ce qui nous attend. Donc j'ai déjà déclaré la guerre aux Saxons, j'ai pas encore fait de bataille. J'ai deux armées proches de la capitale de la Frise, Tullifurdum, donc la première ville saxon, donc je vais tout de suite m'en emparer. Les deux armées sont suffisamment compétentes, menées par Ingrod ainsi que Balambert, pour s'occuper de cette tâche. Donc, comme on a plus de tireurs qu'eux, je vais y aller en défensif. Voilà, on perd beaucoup d'hommes, mais bon, on récupère 8% derrière. Voilà, mes armées sont pas loin. Par contre, ici. Et je vais commencer à préparer le remplacement des guerriers UA. Parce que on va en avoir besoin de ces hommes. Ils sont en plus très confirmés, enfin très expérimentés au niveau des unités rang 5, grade 2 argent pour ceux qui préfèrent. Donc je pense que là l'armée elle devrait aller un peu mieux. Là ça va, l'armée n'a pas trop souffert. Balamber qui a pris une nouvelle compétence. On va lui rajouter pouvoir et fléau. Comme ça, le pouvoir va lui donner plus de dommages de mêlée pour toute la horde. Ainsi que Fléau, ça va lui augmenter son zèle un petit peu. Le taux de fatigue sera réduit de 10%. Et les chances de décéder du personnage sont réduites de 10%. Donc on prolonge la durée de vie en gros. Par contre, est-ce que là, je tenterai pas un petit, une petite fusion. Donc là, c'est bon. Voilà, très très bien. Donc là, on va avoir des armées assez compétentes. Alors ici... On a ça, on va le garder, ça on détruit, ça on garde, la ville de niveau 3 on la garde aussi. C'est déjà un bon début. La prise de Tullifurdum, je vais commencer également à fortifier Areglia. Et ça je vais le garder encore, j'en ai besoin. Et je vais mettre de l'irrigation à Lupfurdum. Lupfurdum n'étant pas directement menacé, mais sait-on jamais. Donc là je rajoute les pâturages pour avoir un archer supplémentaire. Ça sera jamais ça de perdu en garnison. Sinon, niveau technologie, on recherche les artisans de siège avancé, donc pour avoir la guilde des carpentiers au niveau 4 et le camp au niveau 4. Après, on essaiera d'économiser de l'argent pour avoir les techniques de cadre et lourde pour boucler la partie 3 de des technologies militaires, ce qui nous donnera un slot de recrutement en plus, ce qui est vraiment très important à ce moment de la partie. Et je place une armée là, on ne sait jamais s'il y a des petits soucis à la frontière avec les Illyriens ou les Romains. Donc voilà pour ce tour. Il faudra faire juste attention à ces deux forces saxonnes. Bon, elles sont pas menaçantes sur le papier, mais sait-on jamais quoi. Les garnisons, elles sont prêtes. Des côtés de Ascolis, Rugion et Gotiskanza. Bon, même si Gotiskanza, c'est un peu plus elle est un peu plus vulnérable puisqu'il c'est qu'au niveau 2 actuellement. Mais ça devrait. Une mauvaise nouvelle arrive en automne 453. Balamber, celui qu'on avait mis la compétence pour qu'il décède un peu plus tard, malheureusement, est décédé à son tour. Mais c'est comme ça. Donc je vais nommer Abjar à la tête de cette horde. Il est champion cavalier, donc ça peut toujours avoir son utilité. Un agent saxon a tenté d'attaquer. L'armée il a réussi. Attila il a pris un nouveau rang, donc on va lui mettre quoi? Ben, on va lui mettre ça déjà. Et on va augmenter le taux d'attaque de la horde, ça peut être utile. Alors, je vais déplacer la horde ici. Voilà. Donc Angulus on l'occupe. Enfin, on l'assiège. On va voir ce qui nous attend. Si je ramène la horde d'Attila. À deux armées contre une, ça devrait passer.
Ils ont des bonnes garnisons maintenant. Hein. Donc on va occuper pour 8%. Je vais également mettre mes troupes en camp ici. Ça devrait le faire, je pense. On va émerger le plus d'unités possible. Hein. C'est toujours très important. Très très bien. On va rajouter deux guerriers UA vétérans. Angulus, on a le pâturage, on va le garder. Ça, on va le détruire. Ça, on va le détruire. Et la ville, on va la garder. On continue de déconstruire cet enclos qui sert à rien pour le moment. Donc, on occupe déjà les deux tiers de la frise. Bon, il n'y a pas de grosse opposition en soi. Mais bon. Donc, à régler, on va tout de suite la fortifier pour être tranquille. Comme ça, la cité sera au niveau 3 et ce sera très bien. On prend du Burzis, à mon avis, ça va être compliqué. La guerre contre les Romains, elle s'approche à grands pas, on va dire, entre guillemets. Mais bon. Je vais voir pour essayer de constituer une nouvelle armée plus tard du côté de Siscia pour essayer de frapper directement en Italie ou en Raïsiet Noricum en cas de problème avec les Romains. Donc là, au moins, on est positif. Bon, il faudra recoloniser cette cité, certes. Mais si on rase la colonie là, on pourrait être tranquille, quoi. Comme ça, on mettrait les Saxons entre guillemets en horde. Et je vois que les frères de la pierre ont des bonus pour leurs chevaux qu'on va tout de suite appliquer. Donc là, on est bon. On continue de déconstruire un peu. Ça nous fera de l'argent supplémentaire. Alors, au niveau diplomatique, on va regarder un peu. Les guides, vous voulez pas appeler ? Non. Ils veulent pas. Les Rugiens, ça m'étonnerait. Speak quickly and well. Les Saxons, en revanche, je dirais pas non. Moi, je veux pas faire la paix tant qu'ils ont encore une colonie, quoi. Une fois que j'aurai détruit la faction, pourquoi pas. Alors, une nouvelle tentative d'un agent saxon pour faire une attaque a échoué, et ça, c'est tant mieux. Donc, par contre, là, je vais tenter quelque chose. Alors là, on continue. Cette armée, on va éviter. Je vais utiliser... Ah, je peux pas, mince. Au prochain tour, on essaiera de recoloniser Flevum, comme ça la province de Frise sera intégralement sous notre contrôle. On continue de déconstruire ces deux bâtiments, là c'est pareil. Donc un à copier, on est bon. On va faire quoi? Un marché pour un peu plus d'argent. Ici, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas trop d'hygiène publique. Hein. Faudra faire attention aux armées asiatiques à ça. Et en Transcaspia. Comment ça se passe? Donc il n'y a que 4 qui n'est pas monté au niveau 2, mais pour le moment il n'est pas vraiment menacé, quoique faudra faire attention. Daistan, je mets tout de suite un pâturage. Et je vais préparer aussi une forge. Comme ça, l'infanterie du Bosphore va renforcer. Unité d'infanterie du Bosphore renforcera la ville du Daistan, de Daistan, je sais pas comment on le dit. Je vais également recruter des archers ici. Même si c'est pas vraiment le front principal, on va dire. J'ai commencé à recruter un nouveau général à Siscium. Je vais intégrer la légion, les chasseurs de vent. Avec Xabar, qui va donner aussi un boost au recrutement de cavalerie. Donc déjà, dans un premier temps, je vais constituer la cavalerie. Qu'est-ce qu'on va prendre? On a des bonnes unités quand même. Je vais partir sur 4 archers de cavalerie unique pour débuter. Quelques lanciers scrir pour renforcer la ligne. Ça serait déjà un début. Sachant qu'ils sont polyvalents, je rappelle. On est pas mal là. On est pas mal. Alors, Tullifurdum, la garnison elle est quasiment. Je vais attendre deux tours quand même, mais on va être prudent. Je vais voir avec cette armée ce ça peut faire du côté de Colonia Agrippina en général. C'est une des premières villes que les Romains perdent avec les Saxons, mais bon. Après, si on la défend bien avec un camp de garnison et peut-être une ville au niveau 2, normalement vous pouvez tenir une ou deux armées hein, facilement. Pas bien, donc je retrouve pour l'assaut sur Colonia Agrippina contre les Saxons, donc c'est leur dernière colonie. J'ai déployé mon agressif pour essayer de détruire rapidement cette tour et être tranquille.
En première ligne, je vais déployer les archers des steppes avec bouclier, donc des archers de base, mais qui sont corrects, je trouve. Derrière eux, la ligne de guerrier UA, suppléée par les lanciers des steppes sur les côtés. Donc deux unités de chaque. La cavalerie d'archers unit ici pour essayer de voir s'il n'y a pas d'éventuelles proies à aller chercher avec des flèches. Hein, c'est toujours ça de bien. Et derrière, j'ai mis toute ma cavalerie mêlée. Donc les pilleurs des steppes, les cataphractaires des steppes. Et derrière mon seigneur de guerre des steppes, Abjbar, qui commande cette force. Donc là, on est parti pour l'assaut. Alors apparemment, l'ennemi va peut-être faire une sortie. Donc on va essayer d'aller provoquer pour voir comment il réagit. Je fais attention à la portée de la tour toutefois. Je vais replier ces deux là. Attention à la tour. Hein. Là c'est bien. Si on élimine rapidement les deux unités de cavalerie de Javelot, on va être très 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 bon. J'ai commencé à avancer ma ligne d'archer ici. Là, les cavaliers nordiques, là, ils sont en mauvaise position, on va dire. On commence le harcèlement, donc là, les pertes vont être assez... important du côté de la cavalerie nordique. Le régiment se fait complètement balayer. Le fléau des steppes là, fait très mal. Donc voilà une cavalerie de balayer. Il nous en reste encore une à balayer. Ce serait parfait. Une unité de lanciers nordiques là commence à subir de lourds dégâts. On va intensifier ça. On continue. Je commence déjà à préparer tous mes tireurs là. J'essaie de balancer la sauce comme on dit dans le jargon. Je vais commencer à préparer mes cataphractaires. Hop, on anéantit une deuxième unité, c'est très bien. Ils n'arriveront pas à atteindre. Hein. Allez, deux unités de balayer. Là, c'est bien. Pour le moment, leur armée n'arrive pas au corps à corps. Donc ça nous laisse une petite chance ici que nos tireurs fassent la game quoi. Donc là, les guerriers nordiques qui se font complètement massacrer. Flèches, onagres, tout ce que vous voulez. Parfait. Donc là, on est en train d'éliminer gros de leur armée, ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Là, c'est pas mal. Les Saxons qui ne savent pas quoi faire face à nos tactiques. Hein. Ils se prennent une masse dégâts. Oh, et il y en a qui est en train de balayer un régiment là. The fire rises. The enemy city smolders. Ouh. Ils ont quand même du répondant en face. Hein. Ça y est, ils vont se replier. J'envoie juste les lanciers pour essayer de les faire paniquer. On arrête la charge, très bien joué. Et là, je pense que le capitaine, le chef de garnison va bientôt craquer. Avec toutes les pertes qu'il a pris en même temps, ça se comprend. Arrêtez vos tirs, stop pour le moment. Je pense que dès qu'on fera une ou deux pertes là, le chef de guerre devrait vite se replier. Donc il s'appelle Senric. Faire volonté.
En plus, il est de côté. Et j'ai une dizaine d'hommes qui viennent de rendre l'âme. Ça y est, c'est bon. Senric bat en retrait, donc à mon avis, le destin de cette colonie est condamné. Donc là, on laisse massacrer un petit peu, regarder les tirs, quoi. Voilà, donc c'est tout pour cet assaut sur la colonie Agrippina. La victoire avec la colonie Agrippina est importante, ça nous permet d'entrer en Belgique, et on va juste occuper la colonie. Abjar qui prend son deuxième niveau, on va lui mettre ça et ça, on va augmenter sa puissance. À Colonie Agrippina, on a quoi? Une ville de niveau 1, ça on va le détruire, ça on va le détruire, ça on va le garder. C'est déjà un début. Il faudra vite traiter cette menace de rebelles francs ici. Je vais proposer la paix aux Saxons. Maintenant que j'ai pris toutes les colonies nécessaires, bah... Speak quickly and well. Oui, ils sont plus menaces. Speak ill slowly and I may feed your tongue to the dogs. Ah, tu veux donner la langue au chien? Ok. Voilà. Donc déjà, eux, c'est bouclé. Les Gits. Speak quickly and well. Ils veulent toujours pas. Mais là, on a une opportunité de détruire une nouvelle faction, les Frisiens. Donc on va essayer de le faire. Ça fait que dans le monde, on a 19 factions, d'après mes calculs. Producteur militaire, c'est ça. Il nous reste une faction à détruire, donc on a du choix. On a les Jutes, les Gits, les Illyriens au sud ou les Frisiens. Mais je pense qu'on va plus on va essayer de partir sur les Frisiens pour être tranquille. Donc là, notre armée va se reformer petit à petit. Je vais essayer de voir si je peux pas reconstituer un peu déjà. Par exemple, 3 unités de lancer des steps, je vais les passer en ça, en cas d'inscrire. Les Gaïa, j'essaie d'en former 2 de plus, comme ça. Ce sera un début, on va reformer l'armée progressivement. Et là, on est plutôt bon avec l'entrée en Belgique, là, ça va faire du bien. Après, l'Empire romain, ils sont toujours aussi puissants, je suppose, ils perdent pas trop de territoire. Non, pas encore. Par contre, niveau relations, on est à moitié-moitié, quoi. For the Emperor's part, be welcome. I listen and... Donc la Gaule qui est ici, elle a une province... Peut-être qu'on fera des pillages, des petites razzias, ou pillés rasés après la Belgique, je pense. Ça pourrait être une bonne stratégie. Casurgis, on a une garnison qui est compétente. Budorgis, ça, on s'en sort plutôt bien. Et pareil du côté de Nitrawa. Donc là, on est plutôt bien défendu. Il n'y a pas eu de gros événements pénibles. Alors en Germano-Sarmatien, on a eu un surplus de population. Ah oui, la ville était en train, avait pris des dégâts, c'est vrai. Donc là, je la développe pas trop parce qu'on n'est pas trop menacé pour le moment. Je développe en priorité les villes qui sont proches des empires romains, quoi, de l'empire romain en priorité. Sirnium, c'est bon. Siscias, ça devrait aller. Je vais quand même renforcer Domavia puisque c'est quand même à la frontière avec l'empire romain d'Orient. Ça pourrait être une cible. Et là, je vais voir pour recruter d'autres unités. Qu'est-ce que je peux prendre? Deux pilleurs des steppes, ce sera un début ici. Comme ça, le gros de la cavalerie sera déjà prêt. Et là, j'ai regardé un petit peu la diplomatie. Par un jeu d'alliance, on pourrait déclarer la guerre à l'Illyrie. Et on aurait que les Romains sur le dos, ce qui pourrait être un bon plan. Donc, pour le moment, c'est pas envisageable. Parce que déjà, j'ai des rebelles à éliminer en... Comment ça s'appelle? En Belgique. Donc déjà on va éliminer ces rebelles francs de Belgique, ça sera déjà un début. Nous avons plus de tireurs que en niveau défensif. Et là, ça ne suffit. Est-ce que ça va suffire? Parce que là, je reviens sur mes terres normalement. On a juste perdu une unité de cavalerie, il fallait s'y attendre en même temps. Donc je pourrais pas traverser ce tour-ci. Donc c'est pas grave, ça à la limite.
Là, l'armée elle est quasiment reformée et on essaie d'aller s'occuper de des Frisiens. Comme ça, la 20e faction sera détruite. On continue de reconstruire tranquillement. Par contre, pour attaquer les Romains, il va falloir être très prudent. C'est pour ça que là, on s'assure qu'on ait des cités de niveau 3 au minimum, hein, pour essayer d'espérer quelque chose contre une armée complète, quoi. On a en moyenne 4 et 2, 7. On a 11 unités, donc je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Yuvanum, c'est bien fortifié, je suppose. Ça va, c'est bien fortifié. Par contre, Salona, effectivement, est un peu vulnérable à l'heure actuelle. Et on va voir pour nommer des nouveaux compagnons. Car ça, en politique, il ne faut pas l'oublier, c'est très important d'avoir des gens proches. Et je viens de voir compte, on a un petit problème, parce que suite à nos fonctions, on est dans le négatif, malheureusement, et là, ça va être un peu gênant. Ce que je vais déjà faire, je vais regagner Colonia Agrippina avec cette armée. Je vais ramener cette armée là-bas. Pas loin de Colonia Agrippina, ça mettra une sécurité, on essaiera de s'occuper de cette force de Frisiens. Je pense qu'on va vite la battre, hein. Ça ne va pas trop poser de soucis. Donc là, on a terminé toutes les technologies militaires, à part celle-là qui coûte 10 000. Je vais partir sur une autre technologie en attendant, c'est... atelier de famille, ça a augmenté de 5% la richesse provenant des bâtiments industriels, ça nous déverrouillait pas mal de bâtiments de niveau 4. Certains pour les ressources, les artisans, le camp de bûcheron niveau 4 par exemple, pour le marbre aussi. Je vais voir si on peut pas faire du commerce avec quelqu'un, si ça peut aider. We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. The spirits know truth. En plus, on peut gagner des sous, bon, on va essayer d'en profiter. On gagne un nouveau partenaire, l'Illyrie, non, malheureusement. Les Visigoths. Come, let me hear your talk. Commerce aussi. I warn you, I have no stomach for the meek or nice. Je leur demande 1800. Si on peut se faire un partenariat commercial avec les Visigoths, ça peut être une bonne chose. Je vais monter à 1500. My lord's offer is simple. Trade. You have much that we want. 1500, ça devrait être bien. Voilà. On récupère un deuxième partenaire commercial. Voilà, nos finances remontent bien grâce à ça. Et là, on va continuer. Donc là, je vais essayer de voir pour eux. Alors, une ferme. Avec ici et un artisan. Je vais augmenter toute la colonie au niveau 2. Comme ça, ce sera déjà une chose de fait. Les Frisiens s'en foutent une première fois. Donc, je vais mettre à portée avec cette seconde armée. Et on va aller les détruire. J'espère que ça va suffire. On a plus de tireurs qu'eux. Donc, position défensive. Plus de Frisiens. En plus, nos généraux ont gagné un nouveau rang. On va faire moins d'entretien pour cette armée, plus de reconstitution. Et on va essayer de regagner rapidement Colonia Agrippina avant qu'il y ait quelques petits ennuis. Donc là, ça va. Le gros de notre armée est opérationnel. Et normalement, les 20 factions sont détruites. Ça, c'est très bien. Donc, un nouvel objectif de campagne d'accompli. On est en train d'occuper la Belgique progressivement. Enfin, on a commencé notre entrée en Belgique. On va essayer de se faire un peu d'argent, on verra ce que ça va donner. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Donc les légions romaines basées en Germanie, ça va être quelque chose à mon avis. J'ai déjà commencé à me déployer, replier mes armées. Ici, je ne fais plus rien pour le moment. Allez, on pousse. Ah, tu peux pas rentrer, merde. Bon, c'est pas grave, au prochain tour, tu seras à l'abri. Surplus de population, pas nous, on est à 10. Je sais pas ce qu'on va en faire, toute cette population. Sopiana, il n'y a rien à faire. Sirmium non plus. Ah, quoi que Sirmium, attends. Sirmium, c'est bouclé. Ils ont abandonné Uburzis. Pas possible. Apparemment, ils auront abandonné Uburzis. Ok.
ce qu'on va faire pour terminer l'épisode, on va aller recoloniser tout de suite Durocortorum, comme ça on aura déjà les deux tiers de la province. Attention à Augusta Trevorum, il y a une peste actuellement. Donc beware. Et ici on va faire quoi? On va faire des champs classiques. Hein. On va pas s'embêter. Uburzis là est vulnérable. Très vulnérable. Et voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait pas faire une autre construction? Peut-être Cernium. Je vais fortifier Cernium, j'ai pas confiance. Attends, c'est Cernium ou c'est Salona? Je sais plus. Ah, les deux, elles en ont besoin donc. Salona me semble plus exposée que Cernium pour le moment avec l'Empire romain d'Occident, je parle. Voilà, ça sera déjà fait. Je vais l'améliorer tout de suite ici pour plus tard. Je ferai un artisan, je pense. Un autre artisan, je ferai la forge ici. Comme si ce qui est pas loin de la frontière avec. La province de Vénétie, ça pourrait être bien une unité en plus pour défendre. C'est jamais ça de perdu. La garnison est quand même correcte, hein, mais plus on a de soldats en défense, mieux on se bien porte. Tout. Comme on conclut, comme convenu, on recolonise Durkoto. On ne pourra pas la rebâtir ce tour-ci, malheureusement. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Donc on possède déjà les deux tiers de la Belgique, Germanie, c'est très bien. On est à la frontière avec les Gaules. Peut-être qu'on fera des petits pillages. Alors la Gaule, ils sont en guerre avec personne pour le moment. L'Empire romain, il s'étend sur quoi? Sur toute la Lusitanie, j'ai l'impression. Enfin, il possède quoi? Toute l'Aquitaine. Il posséderait toute la Galicie. Après, notre but, c'est Rome, bien sûr. Donc, il faudrait qu'on récupère les deux colonies là. Donc, Augusta Trevorum et Uburzi, ça serait très important. La Récite Noricum, donc le but, ça va être de déclarer la guerre à l'Illyrie que pour uniquement pour avoir l'Empire romain en guerre contre nous avec eux. Ça fera les deux factions là, mais ça devrait se gérer. On fortifie bien les villes, donc j'attends quelques tours. Je ferai une petite ellipse avant le prochain épisode, je pense peut-être pas plus de 10 tours. Donc là, j'ai compté. Ça veut donc dire qu'on se retrouverait en... Alors, 10 tours. Ça ferait déjà 10 tours. On sera en 457 après Jésus-Christ. Enfin, de 8 tours. 457 après Jésus-Christ en été. Automne 457. Donc ça serait... On se retrouverait au plus tard au printemps 458. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il nous a plu. Donc on a fait une bonne progression. Donc, conquête de la Frise. Incursion en Belgique quasiment sous notre contrôle. Ça c'est très bien. Et on a aligné les 20 factions nécessaires pour les objectifs. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et il nous reste encore deux technologies militaires à rechercher. Et on sera bon. Voilà. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça. Et toutes les séries. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Et je vous remercie à vous tous d'avoir suivi cet épisode. Les amis, c'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.